forcément pour moi bah, c'est le pire tirage parce que bah, c'est la même équipe, ils l'ont montré sur la saison régulière, ils ont survolé le championnat. 27 points sur 36, faut le faire. Rappel de Ronaldinho qui se libère, oh magnifique, magnifique du côté marseillais, le contre-appel, on nettoie la défense. Les grands gagnants de tournoi, c'est des gens qui se réveillent à ces moments-là. Donc être sixième au premier, au final, voilà, tu peux finir sixième et être champion de France. Ces moments-là, on les aime. On aime jouer ces matchs-là à haute pression, à gros enjeux. Donc je ne me pose pas de questions. On a été fort en saison régulière, on le sera aussi au play-off. Et attention, 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 parce que ouais, on l'a vu cette petite remise dans le dos de la défense. On l'a... Oh la talonnade, le foot. Sur 12 matchs, il va marquer 10 fois dans les 15 premières minutes. C'est faire des débuts de match comme ça, c'est juste exceptionnel. Attention, oui. Avec ici Matteo Guendouzi pour la dernière. Elle sera pour le avec Kylian Mbappé qui vient sceller la victoire. L'Olympique de Marseille va remporter cette phase de championnat. Pour être honnête, c'est le meilleur joueur du monde, vraiment. Et les gens diront sûrement parce que c'est mon petit frère. Oui, sur le papier, c'est la meilleure équipe. C'est vrai. On va pas se leurrer. Maintenant. On les a tous déjà battus. Hein. Tu sais que toi, par contre, t'auras pas le droit à l'erreur. Parce que si tu fais une erreur, les deux frères, ils pissent direct.